La minute des chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, nous vous parlons de « Nous voulons tous être sauvés » de Daniele Mencarelli. Qui est fou? Où est la folie? Éternelle question. Été 1994, en Italie, une chaleur suffocante qui met tout le monde sous pression. Des conditions difficiles, particulièrement dans cet hôpital psychiatrique où Daniele est hospitalisé de force. Une semaine d'internement. 7 jours qui semblent aussi insurmontables à ce jeune homme de 20 ans qu'un séjour en prison. Il aurait, de loin, préféré se retrouver dans une cellule, seul face à lui-même et à sa part incontrôlable qui le rend dangereux. Dangereux pour lui-même comme pour son entourage. Il n'a pas le choix. Il partage une chambre avec 5 autres personnes. Alessandro, Gianluca, Giorgio, Bonne Dame et Mario. Chacun incarne un visage de la maladie psychiatrique. Au travers de Daniele, nous allons faire leur connaissance. Certains ont des comportements effrayants, pitoyables, exubérants. D'autres, comme Mario, semblent totalement sains d'esprit jusqu'à ce que les jours avancent et les liens se tissent. D'autres réalités apparaissent, les langues se délient et s'esquissent des vies cabossées, les souffrances font jour. Le personnel soignant complète ce petit monde enfermé. Il apparaît avec toutes ses failles, parfois aussi déséquilibré que les patients. Petit à petit, on s'attache à ces personnages. Une incursion salvatrice dans le monde marginal de ceux que l'on qualifie de « fous ». Même si le sujet peut faire peur, l'approche est humaniste, et tendre, et souvent drôle. La minute des chroniques de Laurent Houtan est un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous est proposée par Alice.